Bitcoin, du coup. Et j'ai entré au droit d'asile de Bitcoin, c'était juste derrière. Ouais. C'est exactement une bonne question de savoir quelle est la fiscalité, si la flat tax ça va s'appliquer à la crypto-monnaie. Là, je vais vous faire une réponse plutôt intuitive. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, parce que ça n'est pas la nature de l'activité qui détermine. Ce sont des revenus financiers et la crypto-monnaie en est, avec les limites de l'exercice, avec peut-être un côté très spéculatif, puisqu'on a vu le Bitcoin, la valeur du Bitcoin augmenter de mémoire, a fait quasiment x10 en un an. Là, ça s'est un peu calmé, ça a beaucoup surchauffé en fin d'année, et là, on est revenu, non pas dans des eaux normales, parce qu'on est encore à des niveaux de cotation de Bitcoin très élevés. Vraisemblablement, je pense que ça doit pouvoir rentrer dans le cadre de la flat tax. L'objectif de la flat tax, c'est quoi? Et vous l'avez rappelé, on est à 62% parfois de taxation, ce qui explique que quand vous montez une entreprise et que vous avez une taxation à ce point excessive, et pour le coup, que je considère confiscatoire, ben vous passez sous papier à l'étranger, vous partez à l'étranger. Tout l'objectif, c'est évidemment, non pas de faire des cadeaux aux riches, c'est d'empêcher que des gens qui créent de l'activité en France, et on en a vu beaucoup partir, on a en gros 1000 personnes, 1000 chefs d'entreprise qui sont partis par an depuis 10 ans, c'est 35 milliards d'actifs qui sont passés à l'étranger en 10 ans. 35 milliards d'actifs. Et ça, c'est une perte pour le pays terrible, c'est une perte en emploi, c'est une perte en ressources fiscales, parce que, les choses soient claires, quand quelqu'un s'en va, non seulement vous perdez l'activité externe, mais vous perdez les recettes fiscales qui sont associées à ça. Donc la flat tax est là pour objectif, évidemment, de permettre leur maintien. Et je pense intuitivement, et la direction de l'administration fiscale de Bercy répondra sans doute plus précisément que moi, vocation à s'appliquer aux revenus qui sont liés au Bitcoin et à la crypto-monnaie dans leur ensemble. Parce qu'il n'y a pas que